j'habite à Bergevin, j'ai grandi à Bondy aussi. Et finalement, j'aimais bien ce contraste-là entre celui qu'on peut voir de l'extérieur comme un délinquant et qui finalement emmène son enfant au parc, pose dans la rue, s'en occupe, etc. Where's that going? Mon Timoun, pourquoi j'ai dit Timoun dans un cabas? A pas Timoun à moi, sorti tout devant la casa mentale là. Et c'est qui d'après toi? A pas Timoun à moi, dis-moi. Je défends le cinéma qui a un impact sur la société en général, qui raconte des choses. On a vu que c'était une histoire vraie, ou en tout cas qui tendait à être réelle tout le temps. Qu'il y a des femmes qui ont vraiment des problèmes avec eux. Avec leur vie et qui du coup mettent au monde des enfants qu'elles ne peuvent pas élever. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est de te donner une ou deux couches. Après ça, toi et tes problèmes, démerdez-vous. J'ai envoyé mon scénario à l'appel à projet La Région et Canal+. J'étais lauréat donc, du coup de l'appel à projet. Et puis après, ça m'a permis de produire le film et de le faire. Un partenariat important avec la région Guadeloupe. On a créé un fonds de soutien d'aide à l'audiovisuel en Guadeloupe. Et donc, cette aventure, elle a commencé depuis 2017 et elle continue jusqu'à aujourd'hui. À la région, nous sommes fiers de financer ce cinéma guadeloupéen qui est en train d'émerger et qui petit à petit va porter ses fruits. Ça pas facile, papa. Alors, qu'abord, on fasse là. On va connaître.